We zijn begonnen met een kleine presentatie over wat de honden allemaal doen en wat ze allemaal kunnen. En daarna hebben we verschillende demonstraties gekregen, waardoor deze presentatie eigenlijk ook in werkelijkheid konden zien wat dat er allemaal gebeurt. Ik denk vooral dat ik niet wist dat ze ook met zedenpolitie werkte en ook vooral ook niet dat ze met corona en zo de honden ook dingen lieten doen, zodat ze konden zien wie corona had, denk ik dan. Dus ik wist niet dat dat allemaal bestond. Pour devenir un bon maître chien, il faut être un bon policier de base. Ensuite, avoir la motivation, parce que travailler avec un chien, c'est pas tous les jours facile. Avoir beaucoup de patience aussi et de persévérance. Et avoir cette envie d'apprendre continuellement, parce que c'est un être vivant. Pourquoi je me suis lancé sur les réseaux Ecréa? Tout d'abord, j'ai eu l'accord de la direction de la police fédérale pour pouvoir le faire. Je veux montrer en fait que l'appui canin, ce n'est pas simplement un chien qui aboie dans les manifestations. C'est un vecteur de rassemblement. Lorsqu'on voit des maîtres chiens patrouiller dans la rue, souvent les gens, les enfants viennent à notre rencontre. Et vu qu'on est en une société 2.0, je pense que par les réseaux, c'est une bonne façon de contacter maintenant, être proche des gens. Car c'est ce qu'on veut montrer maintenant. La police, c'est proche de la société, proche des gens et qui viennent vers nous lorsqu'ils ont un problème.